ça tourne. Hop là. Tu commences ou je commence? Bonjour. Bonjour. C'est Emmanuel. Et Julien. On est sur un terrain en Bretagne, on est au milieu des bois. Et on vous invite à venir le 15 août. Le 14 août au soir, nous rejoindre. Alors, on ne sait pas encore exactement si ce sera ici ou ailleurs, mais ce sera forcément en Bretagne et un maximum dans la nature pour justement faire un voyage au cœur de notre animalité. Voilà, grand gros, on propose un stage. Hein. On va le dire comme on le fait. Bon, on va déjà commencer par présenter nos parcours respectifs pour que vous sachiez un petit peu. Tu commences ou je commence? Oui. Vas-y. Alors moi, j'aime bien raconter un peu les histoires. Je vais raconter un peu. Allez, vas-y. Alors moi, j'enseigne et je pratique la méditation orgasmique depuis quelques années. Quatre ans, je pratique. 2 ans, j'enseigne. Et donc, j'explore les relations, la communication, la sensualité, la connexion, l'attention, toutes ces choses-là. Et j'enseigne donc pour les couples, les personnes qui aimeraient être dans des relations. Et puis un jour, une amie, photographe que je salue, coucou Caroline, m'a dit « Oh, il y a un mec tout chevelu, tout barbu, il te plairait bien, ce qu'il dit, ça te plaira et je crois que tu l'aimeras bien. » Et je dis « Ok, super. » Et puis 2-3 jours plus tard, elle m'envoie un lien. Et là, je vois Julien et je me dis « Mais c'est pas possible, mais on dirait que c'est mon frère. Mais bon, oui, c'est le fils caché de ma famille, mais qu'est-ce qui se passe ? » Il a un petit peu de mon frère, un petit peu de ma sœur, un peu de moi, un peu de mon père, un petit peu de tout le monde. C'est incroyable. J'ai pas fait exprès. Hein. Il a pas fait exprès. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Donc on a décidé de... Donc, je suis venue te rencontrer. On a parlé et puis je suis venue en Bretagne te rencontrer. Et puis bah, ça se passe bien. Donc, ça se concrétise. Ça va, on se débrouille. On s'est pas encore engueulé. C'est bien. Non, on n'est pas arrivé à s'engueuler. Mais j'ai essayé toutes mes forces, faut le savoir. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et oui, donc on avait plein d'idées. Julien a apporté plein de choses que je trouve géniales, que j'aurais pas pensé. Donc, je trouve qu'on est assez complémentaires. À toi. Bah, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas. Rapidement, j'ai une formation de dessinateur, sauf que comme j'en vis pas, ça fonctionne pas. En fait, ma passion, enfin, disons que je suis naturiste et j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir avoir accès aux fondements hygiénistes, donc aux documents d'archives du mouvement, ce qui m'a apporté énormément d'outils intellectuels pour appréhender la vie, pour essayer de la comprendre. J'ai aussi, que je mets dans ce bain-là, même si je ne se considérait pas comme hygiéniste, je suis très marqué par les recherches de Wilhelm Reich. Et donc, c'est vrai que je travaille énormément sur plein de trucs. Enfin, j'essaie de toucher un peu, de réfléchir un peu à tout et mettre tous les domaines de la vie humaine et puis de les croiser, de les articuler, essayer de comprendre comment ça fonctionne à peu près. Et donc, jusqu'ici, je me contentais des vidéos. Et là, c'est un peu le flip parce que ce serait la première fois que j'animerai un stage. Donc, première, on va voir si ça marche ou si on abandonne complètement l'idée. On verra bien. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Ça va être génial. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on a eu il y a eu une bonne dynamique et on est arrivé à trouver un terrain d'entente. Donc pour proposer finalement, là on va pouvoir aborder la thématique, thématiques. Oui. Mais juste pour dire quand même que j'ai un petit peu d'expérience sur enseigner à des groupes sur des week-ends. Oui, toi, oui. Ça fait 2 ans que je le fais, donc je Ah, sinon je l'aurais pas fait. Je suis tout à fait à l'aise et je pense que je peux exploiter toutes les bonnes choses que tu peux partager pour un groupe. Poil par poil. Et donc en gros, on appelle ça ce stage voyage ocytocinique. Mais en gros, l'ocytocine, pourquoi ? Alors, parce que l'ocytocine, c'est un petit peu l'hormone. Donc, c'est l'hormone de la douceur, de la tendresse, du bien-être. Elle améliore le sommeil.
En fait, elle est vachement réparatrice, ses effets sont vachement réparateurs, apaisants, etc. Et puis c'est l'hormone de la sociabilisation, en fait, grosso modo. C'est l'hormone du lien. Alors ça commence par le lien mère-enfant, mais je veux dire, on le développe. Tous les contacts qui sont agréables sont... Ils se développent et l'hormone de l'oxytocine se sécrète au moment de l'orgasme et de l'accouchement. Et comme j'ai une définition de l'orgasme qui est différente et séparée de la sexualité. Précise, orgasme. Parce que du coup, Vas-y, précise. Comme j'ai une définition de l'orgasme qui est tout à fait indépendante du rapport sexuel, eh bien... En fait, tu appelles orgasme ce que moi j'appelle l'extase, c'est-à-dire ce bain où on se... Enfin, bain d'ocytocine, j'ai envie de dire, voilà. On peut aussi appeler ça la sensorialité. Sensualité ou sensorialité. Parce que sensualité, ça peut être attaché au sentiment amoureux ou attaché avec une personne, sauf que finalement, l'air qui caresse notre peau et les rayons du soleil à travers des feuilles qui caressent notre visage et nos yeux. Cette douceur-là, ça fait très agréable. Et pour peu qu'on s'y connecte et qu'on l'accueille et qu'on le ressente, ça peut générer un bien-être qu'on peut appeler oxytocinique. Alors, tu la prononces à l'anglaise, toi, c'est oxytocinique en français. Merci. Et donc on va beaucoup proposer d'activités, d'ateliers sur essayer de développer cette ocytocine, aussi bien pour soi qu'en relationnel, soit avec d'autres congénères, soit avec la nature dans son ensemble. Et finalement... Oui, vas-y. Finalement, le voyage de cette journée, donc finalement, le vendredi soir, on va faire connaissance, poser les bases... Et le samedi, ça va être, je pense, ça sera vraiment le grand voyage où dans une première étape, on s'est dit qu'on allait d'abord se connecter à soi-même, faire le point où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, mon corps, ma nudité, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je désire, et découvrir des sensations pour après, au fur et à mesure, aller à la rencontre des autres et voir ce qui se passe avec les autres. Donc c'est le corps. Laisser libre cours à notre... Nous, on appelle ça l'animalité, mais peut-être qu'on va aussi expliquer ce que c'est que l'animalité pour nous. Ouais, du coup, moi, c'est un thème qui m'est cher, c'est réhabiliter cet animal humain, c'est-à-dire toute cette base à la fois biologique, affective, etc., qui est la base de tout. L'animalité qui est souvent combattue, alors qu'elle est la base de tout ce qu'il y a de plus beau en l'homme. Moi, je considère ça comme ça. Donc, il va s'agir de réhabiliter, de se réapprivoiser notre propre animalité. Est-ce que je dis un mot sur la différence entre animalité et bestialité? Parce qu'on a... Par exemple, l'animalité, d'accord. Et si c'était de tellement connecté à notre corps qu'on n'a pas besoin de passer par le mental pour savoir de quoi on a besoin. Ouais, c'est pas mal. Ça aurait été trop compliqué si j'avais expliqué un petit... Et donc les animaux qui sont des mammifères et tous les autres animaux qui vivent en groupe, eh bien, c'est assez intrinsèque à leur être de prendre soin les uns des autres, de se protéger les uns les autres. Et du coup, ça fait qu'on est bien. Et donc, finalement, c'est pas de l'animalité qui fait du mal aux autres, c'est l'animalité qui permet d'être bien ensemble, en étant connecté à soi-même. Et puis aussi, on va avoir une approche finalement très très contemplative. Ouais, il va y avoir un peu de pratique, mais ça va être tout orienté autour de cette démarche contemplative qui a permis de nous redécouvrir à travers un maximum de nos sens. Et notamment quand même vachement le toucher au final, enfin le toucher, le contact, et puis même pas forcément, disons que les sensations dermiques, parce qu'il n'y a pas besoin de se toucher pour se sentir. Oui. et voilà. Mais on peut se toucher quand même. En tout cas avec le... Si on a la permission, est-ce que je peux poser mon épaule contre toi? Non. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire moi je voulais juste dire un truc sur la contemplation. Moi c'est ce que j'appelle l'attention, c'est-à-dire pour moi ce que j'entends de ce que tu dis, c'est pas contempler, être complètement ça empêche pas. Déconnecté. Pour moi non, c'est connecté justement, c'est... Oui, mais c'est pour moi c'est être suffisamment présent et pouvoir diriger son attention là où on choisit et voir ce qui se passe et rester assez réveillé, parce que le truc c'est que la méditation ça sert à ça, c'est-à-dire que on va observer quelque chose, puis une seconde plus tard, on pense à autre chose, puis après on pense à autre chose et on se souvient de rien de ce qui s'est passé. Là, l'idée, c'est qu'on reste conscient, éveillé, et du coup, si on décide de mettre notre attention sur nos sensations dermiques, eh ben, on essaye d'y revenir à chaque fois qu'on s'en est éloigné. Et donc, contempler ce qui se passe, là où on a choisi. Ouais. Sinon, on peut le faire. Sinon, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tu évoquais la nudité tout à l'heure, ça va être un état assez présent, enfin pas permanent, mais c'est une invitation Oui, voilà. Ouverte dans le respect des limites de chacun.
Voilà. Donc on ne sait pas encore si on se réunit ou pas, parce qu'il faudra que tout le monde soit d'accord pour que des corps s'exposent. Voilà. Mais c'est quand même plus pratique de sentir les choses quand on... Mais c'est ça le voyage, c'est de voir où est-ce qu'on en est, ce que je veux, ce que je veux pas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce qui se passe, et puis de pouvoir en discuter, de... avec le voyage, que toi, tout ce que ton vécu par rapport à ça, je pense que ça peut être intéressant de... On va au moins en parler. Voilà, et puis après les gens, ils choisiront, et on est là pour accueillir ce qui sera présent, pas pour forcer, pas pour indiquer. Voilà, c'est une invitation ouverte. Donc n'ayez pas peur, venez, dans tous les cas, venez. Et alors, du coup, si ça vous intéresse, on peut aborder, du coup, au niveau des inscriptions, on va ajouter, je ne sais pas où, dans l'écran, un lien cliquable pour vous conduire à tout ça. Sous la vidéo. Oui, on va mettre les deux. Alors, je voudrais rajouter un truc, c'est que, donc, le vendredi soir, présentation, installation, poser les bases, samedi, le voyage, dimanche, journée plus ou moins ouverte. Ça veut dire que dimanche sera soit pour un cercle de parole de partage de ce qui s'est passé le samedi, et où les gens pourront se mettre en petits groupes comme ils veulent pour passer du temps ensemble. Ceux qui voudront apprendre la méditation orgasmique pourront venir me voir, et je prendrai les gens par deux ou seuls pour leur enseigner en individuel, en petit, voilà. Il y aura peut-être des gens qui vont venir de l'extérieur pour pratiquer la méditation orgasmique. Donc si on a un lieu séparé, eh bien, on pourra faire un cercle de pratique pour ceux qui y sont formés. Et donc voilà, dimanche c'est atterrir en douceur après le voyage du samedi, de pas rentrer chez soi tout de suite, de pouvoir profiter du groupe, avoir un temps libre quoi. Et il y a moyen aussi d'avoir une approche du coup un peu plus créative. Oui. Du coup, on va voir, c'est selon les participants. Voilà. Oui, d'ailleurs, justement, c'est ça que je vais dire d'ailleurs, c'est que cet atelier, ce stage, il est fait sur mesure, c'est-à-dire qu'on a fait un questionnaire pour savoir justement les gens qui sont intéressés de venir, quel est leur désir, quelle est leur intention, quelles sont leurs a priori limites ou les choses sensibles pour eux, leur parcours, leur rapport au corps, la nudité, l'animalité. Et en fonction de ce qu'on va sentir et collecter comme information, nous allons vraiment choisir les exercices et comment ça va se dérouler. Donc, on a déjà un plan, énormément d'idées, mais du coup on va adapter. Voilà, on va adapter, c'est ça. Ça ne devrait pas être trop totalitaire. Non. C'est bon. C'est bon, on a fait le tour. Oui. Bon, Merci beaucoup. À bientôt pour ceux qui... Attends, montre nos yeux parce qu'on a des beaux yeux. Ah, si tu veux. On leur montre l'animalité de nos yeux. Mais viens toi aussi. On se rapproche. C'est ça. Salut.